Le Hamas réplique à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le mouvement islamiste appelle à un nouveau soulèvement populaire palestinien. Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, s'est exprimé jeudi matin. Faisons du 8 décembre un jour de colère et le début d'un vaste mouvement d'intifada qui sera appelée Liberté pour Jérusalem et la Cisjordanie, comme nous avons libéré Gaza. Ce matin à Gaza, la presse titrait « Jérusalem est à nous ». Les habitants ne cachent pas leur colère face à cette décision qui rompt avec des décennies de diplomatie dans la région. Je dis que les Arabes doivent être unis et faire face aux Juifs. Tous, jeunes, vieux, femmes, la décision de Trump est un désastre. Le Hamas annonce aussi des représailles envers les États-Unis. Il appelle les pays arabes et musulmans à couper les liens économiques et politiques avec les ambassades américaines et à expulser les ambassadeurs américains.